Yo 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 les gens, ici Impact et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel FFA Live. Donc ça doit être l'épisode 32, 33, je sais plus trop. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 2 pour un petit condensé. Ta gueule, toi, merci, voilà. Donc voilà, petit condensé, c'est parti. Donc voilà les gens, on se retrouve sur Raid pour la première partie de ce live. Si vous voyez que j'ai T3 en un plan, c'est tout simplement parce que on fait un petit délire dans une team que je manage. En fait, il y a 4 équipes dans la team et c'est celui qui fera le meilleur team tâche. Donc voilà, moi je suis équipe 3 et toi t'es dégueulasse, en plus tu lag. Oh mais il est horrible, horrible. Enfin bref, voilà, c'est juste, voilà, j'ai déjà mis quelques clips pour team tâche. Bon, ils sont un peu leftover, mais voilà. On prend tout ce qu'il y a à prendre et après on triera les trucs de ouf. Putain, mais c'est quoi c'est mec. Voilà, donc aussi j'avais envie de vous faire un peu de Black Ops 2 parce que c'est vrai qu'en ce moment j'y joue de plus en plus souvent et je suis surtout très nul. Ah non, ça va. Donc voilà, j'avais envie de changer un peu de Call of parce que toujours un double 2 c'est bien, donc d'un moment je sens que vous en avez un peu ras le cul. Donc on se retrouve sur Black Ops 2 les gens, quand même très bon jeu je dois l'admettre, même si il y a beaucoup de salopes qui jouent à l'arme, notamment comme ce mec, pour arriver à trickshot à la fin. Enfin bref, on s'attardera pas sur ces salopes. Aussi je trouve ce jeu quand même assez facile au final parce que le snipe, hein, c'est pas que c'est facile, mais comment dire, c'est moins dur que sur MW2, c'est sûr, d'arriver à 29 en mêlée générale et de tenter trickshot parce que tout le monde trickshot. Donc au pire, c'est même si vous n'arrivez pas à 29 en premier, vous pouvez quand même vous amuser. Et lui il est horrible. Voilà, ils sont quand même assez horribles là sur ce game. Dans le sens où ils jouent vraiment tous à l'arme pour arriver au last ou en tout cas pour gagner la mêlée générale, donc c'est assez chiant. Allez les gens, on va se mettre au spot, encore un kill, je peux peut-être tenter une two-piece. On va péter les vides par précaution. Allez, un mec s'il vous plaît, un mec. Voilà, nickel. Oh my god. Oh. Bon bah voilà les gens, il a niqué la cam sous au random, j'ai eu le temps de tenter une fois du coup. Mais c'est pas grave les gens, on se retrouve tout de suite pour plein d'autres games. Là je suis chaud sur Black Ops 2, donc c'est parti. Allez les gens, on se retrouve sur Hijacked et j'ai décidé de jouer à l'arme toute la game, voilà. Donc voilà les gens, on est déjà à la toupie on va dire. Et voilà, attention. Ok, c'était de la merde. Je me suis coincé les doigts dans mon bureau en fait. Voilà, vraiment quand je joue à l'arme, ça va quand même beaucoup plus rapidement que quand je joue au sniper parce que vraiment je les défonce. Allez les gens, on va jouer à la mire pour cette game. Oh lol. Eh, je suis chaud avec cette mire, hein. Je suis chaud. Allez, bouffe ton headshot, sap campeur. Oh, vas-y, je mets triple feed headshot comme ça, les gens. Je pète un câble. Putain, mais il n'y a jamais de gens pour enchaîner, putain. Bon, j'espère que le deuxième va trickshoter aussi, parce que vraiment, j'ai pas d'avance du tout. Encore très habitué à Black Ops 2, j'arrive pas à prendre des avances de ouf comme sur MW2. Bon voilà, on est à la killcam les gens, j'aimerais vraiment tenter une Tomahawk across the map, j'en ai jamais mise et vraiment j'en vois plein, donc j'aimerais vraiment pouvoir en mettre une. Bon, le deuxième trickshot c'est déjà une bonne nouvelle, je sais pas si le troisième ou quatrième trickshot seront aussi, mais bon. Dommage. Aussi, si vous sentez ma voix un peu tremblotante, c'est parce que je suis malade. Voilà, je sais pas si ça se dit tremblotante, mais pour moi, je tente ma chance. Des chiffres et des lettres vont m'accepter dans la rémission. Ça serait cool aussi qu'un des mecs qui tente trickshot mette un trickshot, justement, que ce soit pas tout le temps moi qui hit. On se souvient d'un des épisodes assez récents quand même, sur le 2, où un mec avait mis un putain de 1080 grades. J'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Oh, la 5 feet du type au calme, il a rien respecté, c'est officiel. Ah voilà un bon spoon, allez, là on la sent la Tomahawk Cross. Bon ok, il faut que j'arrive à cadrer la map.
Je vais tirer sur Westland à chaque fois là. Voilà, là ça part déjà mieux. Putain les gens, c'est dingue le temps qu'on peut tenter sur ce jeu. On est à 30 secondes de la fin et il y a toujours personne qui a niqué la cam. En faire une double, c'est jamais le cas quoi. Tous les randoms là ils s'excitent pour niquer le dernier. Oh, j'ai cru que je l'avais mis. Oh, peut-être que lui il l'a mis, remarque. Hein. On ne sait jamais. Attention. Attention. Oh, ça sent bon quand même là. Ça sent bon. Ah bah non, ça sent pas bon. Tant pis. Allez, quatrième. Oh, oh non, elle est broke. Putain, pourquoi tu files les gens? Oh non! Putain, le marqueur. Bon, il était moche, il était collé. Enfin, il était moche, il était surtout très collé. Mais putain, ce que j'ai de mettre un hitmarker avec quoi de suite same game, quoi de suite broke. Oh! Triple une balle, non! Enculé. Oh les gens. Les gens. Je viens de regarder le rec. J'ai fail. La triple une balle, c'est incroyable. C'est impossible qu'elle soit pas rentrée, putain. Vous faites pause au moment où je tire. Les trois, ils sont alignés parfaitement. Et le premier, il prend pas, putain, j'hallucine. Oh. Comment c'est possible, putain. Une triple une balle en FFA, putain, c'est mon rêve. Et là, je l'avais, elle est pas rentrée, mais c'est incroyable. C'est incroyable les gens. Bon du coup le FFA Live s'arrêta là, je suis vraiment dégoûté. Voilà, je vous aurais mis une petite quad feed, un petit marker same game, une triple une balle fake de malade mental et des bonnes petites parties quand même. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour si vous voulez plus de BO2 ou d'autres jeux peut-être, dites-le moi. Donc voilà, ciao les gens.